Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Castle Story avec Katox en multijoueur. Salut Katox! Salut. Et bien, comme vous pouvez le constater, c'est une nouvelle partie, parce que et bien, vous avez été très nombreux à nous demander à renommer les gens, hein, tellement que j'ai dû supprimer des commentaires et tout de gens totalement emballés. Ouais, Et ces gens qui s'appelaient dûment nommés Katox 1, Katox 2, Katox 3, Katox 4. voilà, insupportable les mecs, ils ont fait plein de commentaires et tout, c'était du vrai spam. Mais bon, du coup, on s'est dit, allez hop, on a trouvé un moyen de renommer les briquetons, on va recommencer une nouvelle partie. Comme ça, et ben, vous pourrez en profiter, et ça, ce sera cool. Donc, non, donc du coup, on a totalement foiré le mode PVP là, et du coup, on n'a pas pu recharger la sauvegarde. Donc on en recommence une, mais cette fois on a testé et la sauvegarde fonctionne. On va donc pouvoir la faire dans la durée. Et pour fêter ça, on a vraiment trouvé un moyen de renommer les Brictrons. Donc vous pouvez nous donner des noms de Brictrons, et on se fera un plaisir de les renommer. Et ça c'est cool. Alors vous, là, on peut pas comme dans Stoners dire les jobs, mais déjà on pourrait avoir à la place de ce Ananke moche là. Pardon, Ananke, si tu m'écoutes, mais on pourrait avoir, je ne sais pas, moi, un Katox ou un Le Cygne ou whatever else. Donc n'hésitez pas à me donner des petits noms dans les commentaires et on vous renommera pour pouvoir que vous puissiez participer à l'aventure et que ça Et mette mourir. un petit peu de fun quand les gens mourront. Voilà, exactement. Ça. Non, je Parce suis que décédé. c'est trop facile après si c'est toujours les mêmes qui meurent. Oui, ça, mais bon. On peut s'arranger pour que certains meurent avant d'autres. Voilà, Il y a toujours moyen. en toute discrétion, bien sûr. Hein, quoi? Non, c'est pas prévu. Je ne vois Je ne pas vois pas. de quoi vous parlez. Quelqu'un dit quelque chose, quand même. Sûrement une voix dans ma tête. Alors, hop. On va faire une carrière ici, tiens. Ça fera un petit. Non, c'est pas ça que je veux faire, voilà, c'est ça. Hop, 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 Voilà, on va changer un peu de stratégie, on va tenter un. Plutôt que faire des murs, on va essayer de faire des. Des. Comment ça s'appelle? Des fossés. Des fossés, voilà, je vais y arriver. C'est compliqué de réfléchir à tout ça en même temps. Je sais que pour toi c'est compliqué de réfléchir. Ben oui, non mais complètement. En plus, tu sais que mes capacités de concentration sont absolument phénoménales. Bah, on va foutre là-haut, tiens, les trucs de fabrication, parce que pourquoi pas. Hop là, c'est parti. Alors, on va ramasser quelques plantes également. Hop là. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment intelligents? C'est la question que je me pose. Alors, toi, tu tires. Et toi, tu vas travailler là-dessus. Pourquoi vous faites plus rien? Je vous ai demandé de construire des palettes, il me semble. Construisez-moi des palettes. Ok, je crois qu'ils vont faire de la merde là. J'ai la sensation. Bon, on va les laisser travailler un peu, on verra. Donc en tout cas, merci pour votre accueil sur les premiers épisodes de la série. Ça fait super plaisir, ça vous a bien plu. Il y avait des commentaires sympas, pas mal de vues, des j'aime, c'était cool.
C'est pour ça que du coup, on essaye de continuer en espérant bah, ne pas tout foirer, tout simplement. Normalement, maintenant, ça va, on a fait des tests. Ouais, normalement, ça devrait aller. Ici, il faut qu'on construise un escalier pour ce débile. Alors, un escalier. Hop. Et un escalier. Hop. Voilà. Donc on va mettre ça en priorité maximum, histoire que les mecs ils s'occupent de ça tout de suite. Non, ça t'as pas envie, Charon. Bon, bah, on verra s'ils arrivent à sauver Spencer. S'ils arrivent pas à nommer Spencer, c'est pas grave, puisque de toute façon il sera renommé, il aura un autre nom, donc on s'en fout. Ah ouais, je vois où t'as voulu faire ton... Ouais, non, mais c'était un test, hein, mais. Et surtout que je comprends pas parce qu'ils peuvent passer par derrière ton... Ou Passer alors tu vas par essayer de faire... en fait le truc c'est que je teste de faire une carrière qui fait toute la longueur là Ouais. mais le problème c'est que si je la faisais toute la longueur bah du coup elle était ça faisait un gros trou enfin ça passait le mur quoi ça donnait sur l'extérieur là sur parterre en bas. Ouais, mais je vois pas pourquoi tu l'as creusé là en fait. Parce que ça force les briquetons à passer par la rampe qui est juste au-dessus. Mais si tu continues un peu à l'arrière de là où tu as creusé, il y a une autre rampe qui arrive vers toi. Ouais, tout à fait. Donc ça, Mais du je... coup, ça me fait plus que deux endroits à fermer au lieu de trois. Enfin, Effectivement. là, je pouvais fermer sur la première rampe, mais ça me faisait un truc super petit, quoi. Ah ouais, Alors que effectivement. là, je peux m'étendre un peu plus, on va dire. Mais bon, encore faudrait-il qu'ils arrivent à faire les escaliers que je leur ai demandé de faire. Visiblement, ils ont un problème pour le faire. Je sais pas exactement pourquoi. Ouais, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette tâche. On va leur demander d'enlever. Alors, pas ce bloc-là, celui du dessous, ce serait cool. Bordel. Bon, enlevez-moi déjà celui-là. Ça, il doit y avoir moyen. Voilà. Oui, moi j'essaie toujours des trucs alors qu'il y a des vagues qui vont me tomber dessus, rien à foutre. La beauté avant tout. La beauté, je sais pas, mais les tests en tout cas, c'est sûr. Par contre, pourquoi ils font pas ma fournaise? Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce qui leur va pas? Avec la fournaise là. Il faut 4 4 caillasses, il y a largement les caillasses qu'il faut. Bougez-vous. Voilà, normalement ils devraient pouvoir se tirer eux. Donc du coup on va virer ça, ça sert à rien. Alors au niveau des palettes, c'est pas si mal. Ça y est, ils attaquent la fournaise quand même. On va refaire quelques-unes des palettes. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, ça, y a quoi dans ce truc-là? Oh non, c'est bon, vous pouvez vous calmer, les gars. Détendez-vous, détendez-vous, j'ai envie de dire. Calmez-vous, calmez-vous. On Vous allez vous se calme. calmer. C'est ça. Ça, ramasse les planches, voilà, très très bien. Ici, on envoie du fer, parce qu'on a besoin de fer, là, on est un petit peu dans le mal. Il nous faut un établi ici, avec des râteliers à côté. En avant. Faites-moi brûler. Faites-moi
Moi, brûler, c'est se faire là. Faites-moi brûler toute cette merde là. Comment on appelle ça? Ah oui, la nature. La nature, là, le truc inutile, là. Ça sert à quoi à respirer? C'est surfait. Voilà, il y a plein d'armes encore là. On va pas m'emmerder pour trois troncs, quoi. Putain, mais Katox, il fout le merdier chez lui, là. Il fout ses trucs en tas. Okay. C'est quoi ce tas de planches, quoi? Où ça, cette planche? Quelle Ah, date planche? tu le vois pas, toi? Putain, mais juste à côté de ton établi, là, moi, je vois un énorme tas de planches. Genre, il y a une vingtaine de planches entassées par terre. Non, je vois pas ça. Je regarderai sur ta vidéo, Tu ça m'a l'air regarderas, ouais, tu intéressant. regarderas sur la vidéo parce que c'est assez spécial. Hop, allez, hop, toi tu fais cramer du fer à l'infini, toi tu fais cramer du fer à l'infini. Hop, Est-ce qu'on a encore besoin de planches? Quelques-unes. allez, c'est parti, il me faut une deuxième fournaise. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment côte à côte cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci on est vraiment côte à côte. D'ailleurs, on voit, ils vont chercher des trucs l'un chez l'autre, Oui, mais c'est tranquille. plus rapide que la dernière fois. Ouais, la dernière fois, il fallait vraiment qu'ils traversent tout. Ouais. Ouais, ça c'était un petit peu lourd. Hein. Bon, 3 minutes. ça bosse. Là, ça bosse. J'ai bien envie de mettre trois mecs assignés à la carrière en permanence. Sur 6, c'est pas mal. Allez, on essaye de se faire un petit équipement d'hallebardier avant la vague, ce serait cool. Parce qu'une fois de plus, on est à l'heure, hein, n'est-ce pas? Mais surtout dans la misère. Non. Excuse-moi, je viens de me rendre compte qu'ils ont pas voulu choper du. Ils ont chopé toutes les herbes possibles, donc j'ai genre de l'herbe à ne plus savoir qu'en faire. Par contre, je n'ai pas du tout de soufre, donc pour faire du métal, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est embêtant, effectivement. Ça peut poser problème. Je te l'accorde. Effectivement. C'est délicat. Ah, voilà. J'aurais peut-être un hallebardier. Il faut combien pour faire ça? Un lingot de fer. Ça va, j'aurais peut-être deux hallebardiers avec un peu de chance. S'il se bouge un peu. Toi, est-ce que tu peux, voilà, arrêter de deux à la carrière, ça suffira. Il nous faut quand même encore un petit peu de monde pour faire le reste. Et moi, je vais voir si mon. Si ma Faire quelques. tranchée suffit. Parce que j'ai fait une petite tranchée sur le deuxième accès là. Et si ça suffit, c'est classe. Oh bah y a moyen, hein. Ouais, ce que je me dis. Carrément moyen. Bon, allez, j'aurai au moins un hallebardier, ça suffira pour choper la. Concentrons-nous. Moi j'ai l'impression qu'ils ont pas fait les casques là. Ah si, pardon, ça c'est des casques, c'est pas des boucliers, autant pour moi. On a deux hallebardiers de près, c'est cool. C'est fort plaisant. Je n'en ai qu'un seul, mais je suppose que ça suffira. Alors, ça a popé où ça? Plutôt de En bas de ton chez moi. côté, hein. Et mon hallebardier est pas prêt du tout, du coup. Attends, je vais appeler aux armes. J'ai l'impression qu'ils viennent. Ah, ils viennent vers ta porte. Ouais, c'est logique. Les mecs, appelle aux armes, qu'est-ce que vous foutez?
Je les envoie. Oui, c'est marrant parce que du coup, c'est juste à ma porte en fait, tes trucs. Mais les D'ailleurs, mecs, moyen. qu'est-ce qu'ils foutent? Les gars? Bougez-vous le fion, en toute amitié. En toute amitié. Vous avez laissé Jenkins mourir? À vos portes? Oh, Jenkins, c'est excellent ce nom. Leroy Jenkins. Baston! Les connaisseurs savent de qui je parle. Bien sûr, La toujours. légende, l'homme. J'ai été contemporain de cet homme sur ce jeu. Contemporain de cet homme. C'est mettre un truc à noter sur son CV, quoi. C'est clair. Monsieur, votre CV n'est pas très acceptable. Écoutez, madame, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai été contemporain de Leroy Jenkins sur World of Warcraft. Mon Dieu, je vous engage, augmentation de 200%. Vous ne pourrez jamais combattre ça. Oh, je devrais faire ça, rentrer en classe. Leroy Jenkins. Ouais, je pense qu'il y a quand même le potentiel qu'ils te prennent un peu pour un taré. Tu me passeras l'expression. C'est déjà un peu le cas, tu sais. C'est sûr, si tu leur passes du Kaamelott. Oui, ouais, c'est pas n'importe quel épisode de Kaamelott, hein. C'est vrai. Avec le maître d'armes où il s'insulte de tous les noms. C'est vrai, c'est vrai. Et la dernière réplique de l'épisode qui a bien fait mes sourires, c'est « Alors vous venez, petite bite !» Ils étaient morts de rire. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Bah L'humour se oui. résume à des choses faciles et simples. C'est ça. Faut T'as réussir à intéresser les élèves. des gens qui font de l'humour complexe, puis après t'as des gens qui font de l'humour avec des banques, et puis t'as des... Voilà. Puis t'as Les des gens gens qui comme font moi. de l'humour pipi caca et ça passe. Et ça passe. Et ça c'est beau. Enfin non, pas vraiment, mais... C'est suffisant, on va dire. Voilà, c'est... On va dire ça, ça... Ça fait le café, mais bon, voilà, ça permet de vivre, un minimum. Alors du coup, il nous reste quoi à bloquer? Il nous reste juste là en fait, hein. Juste à côté de tes portes en fait. Il faudrait que je bloque. On va faire un mur là. Tant que tu fais pas un murloc. Oh là là. Ah ouais, je suis chaud. C'est pas le mot que Oui, j'aurais utilisé, je suis désolé de te le dire. On reste quand même sur une audience qui est globalement grand public. On va rester dans l'acceptation générale. Hein. Donc pour la forme, je te dirais juste, va te faire foutre. Voilà. Bon, dans les faits, c'est En toute amitié, bien sûr, quoi. en toute amitié, de tout bien, tout honneur et tout ce qui va avec. C'est au-delà de ça, à l'intérêt épisode, tu vas prendre cher. Après, si je me fais strike mes vidéos par ta faute, ça va chier. Ouais, ce serait une petite réussite personnelle pour moi. Étant donné que j'ai toujours jamais pas activé la monétisation, ça me semble tendu, mais. Sait-on Je jamais? serais étonné. Excuse-moi, ça fait un gameplay avec un mec qui s'appelle Catox. Oui. Non, ouais, il est sur la liste noire. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais en fait, dans la rue, dès qu'il fait une blague, on doit choper 5 personnes qui l'ont entendu, les flashouiller pour qu'ils oublient, parce que sinon, après, ils se transforment en zombies, les mecs. D'ailleurs, tous tes élèves sont régulièrement ont régulièrement le cerveau lavé. Sans vouloir être méchant. Ils n'ont pas besoin d'avoir un lavage de cerveau. Oh, Bref. oh, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Par contre, c'est vrai. Sont où les C'est mecs terrible. que j'avais foutu sur la carrière là? C'est un scandale. Qu'est-ce qu'ils foutent? Travailler plus vite. Mais oui, bien sûr, travailler plus vite. Sans Plus et plus déconner. vite. Et toi, tu vas où avec ton lingot? Amène-le à la porte. Sale con. En fait, ça me ferait rire, ce serait mon briquetron qui se ramène, qui te vole tes lingots, tu sais. En chemette, alors. Ah, ce serait exceptionnel. Il aurait tout mon respect pour ça. Fais gaffe avec tes parapestes en métro, ils pourront pas tirer, non? Non, tu penses qu'ils vont se concentrer sur la porte? Voilà. C'est aussi pour mettre mes tourelles. Hein. C'est principalement pour mettre mes tourelles. C'est vrai qu'il y a les tourelles.
Pef, pef. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, les petits trous. Hop, 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 hop. Hop, et hop. Ensuite, un petit escalier des familles. Putain de forêt qui me pète la vue là. C'est pas grave, on va faire autrement. Oula, petit lag. Je me demandais pourquoi j'avais un Bérictron qui passait avec une bûche de bois, tu vois. Puis je me suis demandé pourquoi il avait un foulard vert, mais j'ai compris. Ah, je me suis décalé. Drame. Ils nous volent notre travail. J'ai mal construit mon mur, c'est à cause de toi, ça encore. C'est drôle parce que tu parles de mal construire un mur avec un accent allemand. Ça fait mur de l'Atlantique mal construit. Je ne. Je ne cautionne pas, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu cette réflexion. Bon. Je suis belge, moi, le mur de l'Atlantique, on l'a construit en 5 ans. Parce que tu peux aller, tu peux faire toute la côte belge, tu verras que des buildings. Hein? Alors ici, il nous faut encore un petit rang de murs. Voilà. Et ici, on va mettre les parapets. Ou les arches. Non, des parapets. On va mettre des parapets 3, tiens. Dans cette partie. Hop. Alors, on a un mec à invoquer. Ici, on va lancer la production de petites balises. Ici, on va lancer la production de chevaliers. Ce serait bien d'avoir un archer encore. Bon là malheureusement il n'y a toujours que 1 de profondeur mais c'est pas grave, ça va venir. On a une porte. C'est pas mal déjà. C'est plus bien. Ah oui, d'accord. Ben, j'imagine bien, c'est la porte posée sur des fondations, mais non, il y a juste la porte. Je sais pas pourquoi ils ont une priorité pour construire les portes. Dès que tu leur fous une porte, Rassurez-vous, les gars. ils jettent dessus quoi. On a fait la porte. On a une Elle est porte, parfaite. tout va bien. Et René, t'as fait le mur qu'il y a autour? Le mur? Tout de suite les grands mots. Va se calmer le mec, moi j'ai fait une porte, regarde, et elle s'ouvre. Attention, le Apprends. lit ici. Apprends des maîtres, des maîtres constructeurs que sont les Bricktrons. Si les pyramides avaient été construites par les Bricktrons, ce serait genre une montagne de portes. Ce sera une porte avec des murs transparents autour. Et ce serait tout aussi classe, hein, faut pas dire le contraire. Classe. Ouais. Je suis sûr que ça l'aurait fait. On a une balise, parfait. On n'a absolument pas de quoi l'alimenter, mais c'est pas grave. Au niveau des plantes, on n'a plus trop de plantes, hein. Ce serait cool de récolter un peu de plantes. On fout ça là. Tu sais si les trucs ils repoussent au bout d'un moment d'ailleurs? Tant qu'à jouer sur des parties un peu longues. J'ai jamais eu l'occasion de m'en rendre compte, donc je pense pas. Je pense que c'est limité. C'est limité comme toutes les choses que tu trouves. Bon, après, les plantes, t'en as vite. Oui, T'as très vite ce qu'il te faut, quoi. c'est limité, mais en quantité, quoi. Ah, ils sont popés! Aux Ah. armes! Aux armes! Est-ce que j'ai plus qu'un. Ils vont vers la porte! Ils s'attaquent à notre porte! Oh mon Dieu.
Chargez! Chargez! Et du coup, ils attaquent la porte des deux côtés! Ça fait très surréaliste, c'est de voir sur les mecs qui sont. Oh mon dieu, non, une porte! Oh mon dieu! Mais où sont mes autres mecs? C'est la question que je me pose un peu en fait. Que normalement, je suis censé avoir 4 gars là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils sont bloqués autour du. Alors, ça, si tu sais pourquoi, quand je clique dessus en bas, là, ça les sectionne et pas tous. Je ne sais pas pourquoi. Ça dépend si tu as sélectionné sur les petites têtes ou si ça t'as sélectionné l'ensemble, mais enfin, je sais pas. Ou alors Bah qu'ils étaient ouais, peut-être pas encore je pensais. déjà sortis. Bah, ils étaient sortis, mais. Enfin, ils apparaissaient dans la case mêlée, là, par exemple. Mais quand je cliquais dessus, ça sélectionnait que ceux que j'avais déjà donné des ordres. Peut-être un truc que j'ai raté. Je ne sais pas. C'est pas grave, ça s'est bien passé. Ouais, ça n'y a pas eu de Mais je sais pas ce qu'ils font, tes blessés. mecs, mais ils font des pluies de. Ah, ok, ils creusent là, d'accord. De quoi? Où ça? Bah, écoute, ils creusent à côté Ah de ton mur. oui. C'est pour C'est un étendre, pour truc mettre celui-là. des tours. C'est ça. En fait, j'utilise la montagne comme Comme chemin de ronde. support, ouais, comme chemin de ronde. Je me dis que ce serait super classe. Ah, c'est vrai que c'est pas con, hein. Vu que tu l'as vraiment mis à la limite de deux montagnes, ça se tient. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va arrêter le premier épisode là. Parce qu'il a déjà assez duré, oui. Donc, bah n'hésitez pas du coup à nous dire si ça vous a plu, si le petit reboot vous plaît. Bon, ça part un peu mieux de mon côté déjà. Moi, ça me fait plaisir personnellement. Bah déjà t'as une porte. Déjà, j'ai. Enfin, plus non, plus maintenant en l'occurrence, mais. Oui bon, t'avais une porte. J'avais une porte. Pas En tout compliqué quoi. cas, mais donnez-nous des noms pour les Bricktrons, on les mettra avec plaisir. Et on se dit eh bien à très bientôt pour la suite. Salut, salut! Salut.